Adorable Père, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, nous voulons t'élever, nous voulons te dire merci pour ce jour. Merci pour ta grâce, ta bienveillance et ton autorité sous laquelle nous sommes encore levés ce matin. Merci Père pour l'opportunité que nous avons dans cette émission d'apporter ta parole. Seigneur, utilise le canal que nous sommes pour bénir ton peuple à la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Christ notre Sauveur. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, nous vous saluons tous dans le beau et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici à l'heure de notre émission biblique de partage intitulée « Bonne journée ». Nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau jour, cette nouvelle semaine qu'il nous a donnée. Qu'il soit pour chacun de nous de grandes bénédictions de sa part. Nous tenons à remercier et à encourager tous ceux qui, de près ou de loin, qui nous suivent dans ce programme. Que le Seigneur, à travers cette émission, répond favorablement à vos prières, besoins, aspirations et désirs. Ce matin, le Seigneur nous parle à partir de ce thème, les femmes à la tombe. Nous allons nous servir comme test de base de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 28, à partir du 16e verset jusqu'au 10e verset. Matthieu, chapitre 28, verset 6 à 10. Écoutons la parole de Dieu. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez l'endroit où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors, Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Que le Seigneur nous sanctifie par sa parole. Amen. Les femmes à la tombe. Pourquoi les femmes sont-ils allées à la tombe? Vérifions cela dans les évangiles. Le premier évangile dans lequel nous commençons est Matthieu 28, le premier verset, qui nous dit « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie
allèrent voir le sépulcre. Le deuxième évangile, celui de Marc, chapitre 16, verset 1, nous dit « Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. » Quel amour! Celui de Luc, Luc chapitre 24, verset 1 nous dit « Le premier jour de la semaine, elle se rendit à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. » Et pour finir, celui de Jean, Jean chapitre 20, verset 1 nous dit « Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. » Nous venons de suivre la déposition de 4 témoins qui ont relaté plus ou moins la même chose. L'une des raisons lesquelles font croître de manière exponentielle l'effectif des femmes dans nos églises est que ces femmes, émotionnellement et normalement, sont plus touchées ou troublé face à la moindre difficulté. Mais davantage, la raison ici, dans le cas espèce, nous le retrouvons dans l'attachement émotionnel qui les lie à ceux qu'elles aiment. Les femmes se rendirent à la tombe de Jésus à cause de l'amour qu'elles avaient aussi bien pour Jésus lui-même que pour son ministère. Alléluia. De nos jours, quand les femmes décident de suivre Jésus, la plupart d'entre elles sont des disciples dévoués. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi demain, les femmes à la tombe furent les premières à voir Jésus et à l'adorer. Et elles sont les premiers canaux utilisés pour véhiculer et propager le témoignage vivant de la résurrection de Jésus. Praise the Lord! Ce témoignage qu'ils ont apporté aux autres disciples. Nos femmes modernes, dans nos églises modernes, ne doivent permettre à aucune barrière de les bloquer dans l'acte de témoigner de Jésus. C'est pourquoi toi qui crois à la crucifixion, à la mort et à la résurrection de Jésus, ne doit pas se taire sur ce qui fait ta valeur, ce qui te donne accès auprès du Père. Alors, lève-toi et annonce autour de toi et partout que Jésus est le seul sauveur de l'humanité. Rappelons-nous que la Bible nous dit dans Acte 4, le verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom
qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Ainsi, va rapidement informer les autres de la résurrection de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bonne journée. Prions. Père céleste, Yahweh notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta parole. Seigneur, aide chacun de nous à ne point nous abstenir d'être tes témoins auprès des autres pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Christ notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous richement. Shalom, shalom, shalom.